J'entre dans un lobby avec 3 mecs, pareil, ça fait mal hein. Et j'oublie d'enlever Charm Twitch, le mec il va croire que je suis un tricheur. Parce que j'ai le profil privé, tu sais. Non, 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 non. L'artiste. Oh, comment ça arrivait fort sur moi. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Pourquoi il m'envoie pas de corbeau? Allez, plus de corbeau, ok. Bien joué. Très très bien joué. Dommage, il y avait de l'idée. Merci. Bien joué, bien joué. Elle veut pas me lâcher, je crois. J'accepte ma sentence. Bien joué. Ouais, bien, on tape la fenêtre. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien. Ça fait bizarre de jouer un personnage maigre. Mon Jeff, il était tellement épais. T'es abusé. Salut Zubix, elle voulait mon huc mais elle le veut plus. Très bien, tristesse pure, ça m'aurait pu. Ça aurait pu me faire une petite vidéo des familles. Showtime. Ok, elle me switch. Ça, c'est cool. Ouais. J'ai qu'une palette là-bas, ça va être dangereux. Après, je sais pas comment ressortir de cette zone. Comme ça. Techniquement, si mes calculs sont exacts, je pense qu'ils sont pas exacts, je suis mort. Bien joué. Bien joué, bien joué. Pas très bien joué, mais bon. J'ai pas été très performant là. J'ai trop voulu grid les loops alors que j'aurais pu en garder un tranquille. C'est pas grave. Bien joué. J'ai plus de place sur mes cartes SD pour enregistrer mes parties de somme, faut que je les vide, mais j'ai la flemme. Au pire, tu peux t'acheter aussi un disque dur externe, Jackson. Ça peut être intéressant. Salut Gadop TV, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon, oui, oui, bonjour. Aïe, ce n'est pas très gentil. Level 35 de l'harpie pour la débloquer sur tous les persos. Bien ça. J'ai de la chance parce que j'ai même pas coulé Sisyphe. J'ai vu un vieux build des enfers. Ah, ça gratte. Je suis sûr que je suis dans la seule zone où il n'y a pas de porte. Quasiment sûr. Ah si. Ça faisait un an et demi que t'étais plus venu sur les lives. Merci Notelmo, welcome back mon ami. Merci d'être là à nouveau et j'espère que tout va bien pour toi mon copain. Nanana. On va faire un petit totem, on va ouvrir un petit coffre, essayer de trouver un objet à l'intérieur intéressant, notamment une trousse de sang pour peut-être me soigner. Voilà.
la tête. Oh, sa tête de fou. Ah, ça me tue. Pauvre Beard Lady, elle te regardait passionnée dans les yeux. T'as vu, c'est magnifique. Hein, elle me regardait avec tellement de passion, de bonté, de magnificence. C'était beau. C'était magique. C'était splendide. C'était... fort. Elle sait qu'on est là. Merci. Le plus fort, Nesca. Merci, j'ai beaucoup, c'est gentil. Ça me touche. Putain, ma carte Mathéo. Comment ça m'a touché? J'ai pas comprendu. Elle a trop géré. Bien joué, bien joué. Oh, ça m'a surpris. Ça m'a tellement fait peur. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien joué. La vérité, c'est bien joué. Ah, ça m'a tellement choqué. Adam, il est pas rassuré quand il ouvre un coffre. C'est clair qu'il est pas rassuré, tu m'étonnes. On trollait avec vous, Francis. Ouais, on troll avec nos Francis. C'est ça le but. Yo, so, je viens d'arriver, c'est quel tueur? Salut, Bax, c'est l'artiste, celle qui envoie des corbeaux. Les corbeaux sont déployés. Corbeaux déployés. Chez, Gérard. Merci, c'est gentil, Frixboy. Je m'appelle Gérard. Salut, so, salut, Kamezai, tu vas bien? J'avais une petite question, imaginons que je mets un survivant prestige 1, il sera prestige 3 à la prochaine mage? Oui, absolument. Je comprends rien au corbeau, t'es pas censé te prendre le hit que s'il y a un obstacle devant, si? Non, c'est uniquement si le corbeau est à moins de 7 mètres de toi, ou alors si tu prends d'abord les corbeaux sur toi une fois, et ensuite tu peux, te, si t'as toujours les corbeaux sur toi, te prendre le hit avec un corbeau. Le coup de l'artiste est vraiment grand en vrai, ça lui donne une forme humaine déformée assez terrifiante, je trouve. Tu as peur, Cyclones? Je sens que tu as peur et que tu es fébrile dans tes actions. Imaginons, il n'est pas P1 et seulement niveau 50, il se passe quoi? Tu seras niveau 1. Je crois. Je suis pas sûr, mais... il me semble que tu seras niveau 1. Gardien de sang? Non. Ah, ils ont réussi à sauver Jean Gérard. Ça, c'est bien ça. Yo, perturbateur, comment vas-tu? Il y avait quoi dans le coffre? J'ai pas vu Twitch à crash, juste la boîte à outils. Ils sont trop forts, mes mates, c'est la vérité. Ils sont trop trop forts. C'est incroyable. Jamais vu des mates aussi forts. Ce génie. Oh, il est indéfectible. Ok, nice. Tu veux qu'on se soigne? Non, mais là, on peut pas le sauver, frère. Viens, viens, on va crever, ça. On pourra pas sauver, viens. Fais-moi confiance. J'ai pas un dé, j'ai pas coudé, j'ai rien. Je peux rien faire, là, pour lui. Je peux juste m'escape. Je passe une très bonne soirée. Merci, ce perturbateur. J'espère que toi aussi. Putain, il l'a sauvé, il est fou. Laisse lui un kill, tranquille. Il a réussi à le sauver. Ah, ils sont tarés. J'aurais pu tenter d'aider, mais j'aurais un découdé, j'aurais tout tenté, mais j'ai oublié de mettre les perks, donc... Et voilà, toxique, toxique, toxique. Oh, le beau corbeau. Va falloir que tu dédardes en passant. Il a eu chaud. Ah, il t'a ramassé, dommage. Un defective time. Pas pu. Pourquoi t'as mis mon prénom en pseudo? Je savais pas que tu t'appelais Gérard. C'est faux, t'appelles pas comme ça. Salut Papsite. Est-ce qu'il faut mettre tous nos persos prestige 1 avant la match? Sinon on perd les perks enseignables de ce perso. Non, tu perdras pas les perks enseignables de ce perso, t'inquiète pas. Si tu les as déjà apprises, les perks, tu les auras forcément dans la toile, quoi.
Ouais, c'est ça, tu t'appelles vachement Gérard. Je crois pas. Salut Sid Barrett, comment tu vas? Bon, c'était une game assez spéciale. GG à ce jeune Dark Rubidir. GG wellplay. Contraire, faut attendre la mage pour passer les prestiges si tu veux rien perdre. Et ouais, ce sera le mieux. Tiens, moi ces 4 toxiques Adam. C'est beau ça.